Les amis, c'est AZS112. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 8 où on a une petite surprise. Big Wyatt nous a envoyé un de ses boîtiers. Donc, on est sur le Dark Bass Pro 900 Révolution 2. Voilà. Donc, ils ont pris tout ce que les gens n'avaient pas aimé sur le 700 et puis ils l'ont dégagé. Comme ça, les problèmes, ils sont réglés. Plutôt intelligent, hein, j'ai envie de dire. Bref, on est sur un boîtier très très joli. Donc, comme d'habitude, je démonte un petit peu tout là. Et puis, bah, une fois que j'ai tout fini de démonter, bah, je vous propose qu'on passe au montage du PC complet. Voilà, il y a d'autres trucs à démonter ou pas? Il y a ça, il y a ça, ça là-haut, ça là. Et voilà, du coup on a tout démonté, on est du coup sur châssis, sur le châssis, pas le châssis, sur le châssis, voilà. Donc on va essayer de faire une config plutôt pas mal, parce qu'il y a eu d'autres surprises aussi. Des trucs qui peuvent vous plaire, hein. Comme des RTX 2080 de chez Russe, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Voilà, donc je vous propose qu'on passe tout de suite au montage. Hein, donc je vous dis à tout de suite. Donc, voilà, donc, un petit truc qu'ils ont rajouté il n'y a pas longtemps aussi, les lumières qui s'éteignent. Du coup, ça fait un mode nuit et on peut voir le PC dans le noir, le plus complet. Voilà, donc elles sont vraiment jolies ces barrettes de RAM. Franchement, ouais. Après, l'effet lumineux est pas non plus ouf, mais bon, au moins, ça donne une petite idée.
Là, c'est un petit peu déjà qui tuning, quoi. Bref, on rallume, le benchmark est en train de se faire. Donc, le boîtier, comme je l'ai dit au début, c'est un BigQuiet Dark Bass Pro 900 Revolution 2. Donc, j'ai pris la couleur argent, parce que j'aime bien. Voilà, après la carte mère, c'est une Asus ROG Corsair Crosshair. Voilà quoi, Asus ROG Crosshair VII, donc 7 en chiffres romains, Hero Wi-Fi, du coup là le Wi-Fi, AMD Ryzen 5 6 coeurs, c'est le 2600. Voilà, donc j'ai pas mis un processeur non plus abusé. Après, en alimentation, je mets une Corsair RM850X. Voilà. Après, on est passé sur du 16 Go de RAM en ADATA Spectrix D40. Voilà, donc en sont en 440 MHz. Donc, je voudrais pas les acheter, ça doit faire mal. Hein. Voilà, donc après, en carte graphique, j'ai pas mis non plus un truc de malade. Bon, en vrai, c'est déjà un truc vachement bien. J'ai mis qu'une gigabit à en russe. RTX 2070 Extreme, voilà, donc la 8 Go. Franchement, j'aurais pu mettre mieux, quoi, mais je l'ai pas fait. Après, on a le disque dur M.2 que j'ai mis sous la carte graphique, comme vous l'avez vu. Et bah, c'est un ADATA. XPG GameX S11 M.2, bah oui, c'est un M.2 quoi. Et c'est un 480 Go si je m'en souviens bien, ouais, c'est ça, il y a écrit sur le côté. Après, on a le water cooling, c'est un BeQuiet Silent Loop 360 mm. Et tous les autres ventilos, c'est des Silent BeQuiet Silent Wings 3 140 mm. Voilà. Et on a un score benchmark de 7944, donc quasiment 8000. Donc le processeur il est à 6000 et la carte graphique elle est à 8382. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein, ce PC dans les tons blanc et noir, on va dire. Voilà. Et puis aussi, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, voilà. Donc on arrive à l'épisode 8 sur 10, incroyable. À l'épisode 10, bah, on montera un PC toujours pareil. Hein. Voilà, puis après j'arrêterai ce jeu pendant un petit moment, voilà. Et puis on reprendra avec plus de PC plus tard, quoi. Mais bon, j'espère que ça vous plaira comme d'habitude. Hein. Et puis il faudra que je me remette aussi à faire un petit peu de arc, hein, parce que ça fait un petit moment que je suis pas allé après le seum que ça m'a foutu quand la maison elle a été supprimée. Et du coup, bah écoutez, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont dans la description. Si vous voulez le récapitulatif des pièces du PC, c'est dans la description, comme d'habitude. Je m'embête à la faire, alors allez jeter un petit coup d'œil quand même, parce que moi sinon je la fais plus. Et puis sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vais vous dire, bah, salut.